Bonjour, ou plutôt Egunon. Dans ce nouvel épisode de Bilbao Biscaya Invitez-vous, nous allons visiter le musée Guggenheim. Mais tout d'abord, nous allons nous perdre en forêt. C'est parti! À une heure de route du musée Guggenheim, à l'entrée de l'estuaire d'Urdaibai, la célèbre biosphère biscayenne, vous découvrirez un site où la nature et l'art se mêlent de manière insolite. À la différence de notre aventurier des temps modernes, Diokin, vous choisirez sans doute pour vous rendre au bosquet de Homa un chemin balisé. Ce qui facilitera évidemment l'accès à ce site hors du commun. En quelques minutes, vous serez à la fois au cœur d'une forêt et d'une œuvre d'art. Un site qui attire les artistes et les promeneurs assoiffés de sensations graphiques. Cette œuvre a été conçue par l'artiste basque Agustín Ibarrola. Vous rencontrerez peut-être l'un des vôtres, avec qui vous partagerez votre expérience dans cette forêt aux mille visages. Martha peint depuis son plus jeune âge. Influencée par l'artiste américain Hopper, elle s'intéresse dans ses œuvres à mettre en scène des objets du quotidien et au traitement de la lumière. Cette expérience Land Art vous donnera sans doute envie de poursuivre votre visite Arti. Bienvenue à Bilbao Diokin. Au centre de Bilbao, le chien de garde Poppy vous ouvrira les portes du célèbre musée Guggenheim. Construit par l'architecte Frank Gehry, le musée ouvre ses portes en 1997. La structure même du musée vous offrira une perception différente de l'architecture. La programmation est riche et les œuvres des grands artistes contemporains du monde entier séjournent à Bilbao. L'exposition permanente vous fera tourner la tête et vous prendrez plaisir à vous perdre dans la monumentale sculpture de l'artiste américain Richard Serra. Après cette visite où vos sens seront en émoi, vous ferez une pause près de la sculpture de Jeff Koons et vous réaliserez qu'en Biscaye, l'art vous suit de près. Connaissez la formule? Invitez-vous et vivez une expérience unique en prenant part à notre concept Bilbao Biscaya Invitez-vous. À bientôt, ou plutôt, agur!